Congolaise, Congolais, mes très chers compatriotes, notre pays est détruit par un tsunami que je nomme Sassou Nguesso et compagnie, qui ont tout ravagé sur leur passage. En effet, M. Sassou Nguesso et sa bande se comportent à la tête du pays en véritable hors-la-loi, pilleur et gangster. Est-ce que notre cher pays mérite ce traitement odieux que lui inflige Sassou Nguesso et son clan? À cette question, nous répondrons par un non ferme. C'est pourquoi nous disons trop c'est trop. En conséquence, nous décidons que Sassou Nguesso et consorts doivent être dégagés sans condition. Un adage dit, tout chemin mène à Rome. En dépit de nos multiples points de vue, et quels que soient les moyens utilisés pour y parvenir, nous, démocrates congolais, appuyés par notre force publique, patriotes et républicaines, sommes toutes et tous de commun accord pour la chute immédiate de Sassou Nguesso et sa clique, chute à l'issue de laquelle nous, démocrates, allons prendre les décisions solennelles, à savoir dissolution de la Constitution de la honte de 2015, mise en place d'un gouvernement de transition, installation d'un parlement de transition. Je rappelle pour la dernière fois à notre force publique en général, aux officiers généraux, aux officiers supérieurs et subalternes, en particulier, que c'est le moment de rejoindre les forces du changement et du redressement. Car ensemble, nous vaincrons et vive le Congo sans Sassou Nguesso. Je vous remercie.